Bonjour à tous, on débute aujourd'hui avec la crise à Manchester United après 3 défaites de rang en une semaine. Selon les tabloïds et notamment le Sun, il existerait déjà une fracture entre le vestiaire et José Mourinho et Wayne Rooney pourrait se retrouver sur le banc lors du prochain match. Plus d'informations à retrouver aujourd'hui sur le site. Mais Manchester n'est pas le seul cadre anglais en difficulté, à Chelsea la crise couve également. Selon le Star Sport et le Daily Express, Roman Abramovich serait même furieux face aux difficultés d'adaptation du nouveau coach Antonio Conte. Le propriétaire russe aurait tenu une réunion avec plusieurs dirigeants après la défaite face à Liverpool et le sélectionneur italien apparaît déjà sous pression alors que les Blues pointent à la 5ème place à 5 points du leader. Et pour finir avec cette page anglaise, on s'arrête à la une du Daily Mail qui fait la part belle à Joey Barton en pleine promotion de son autobiographie. L'occasion pour l'ancien Marseillais de lâcher quelques provocations dont il a le secret. Il affirme notamment qu'il aurait fait un bien meilleur sélectionneur pour l'Angleterre que Roy Hodgson ou Sam Allardyce, les deux derniers managers de la sélection. On enchaîne en Espagne, la presse madrilène n'en finit plus de s'enflammer pour le Real Madrid, leader de Liga, et sur le point de battre le record de victoires consécutives en championnat. Pour Marca, les Merengue se sont fixé l'objectif des 100 points cette saison en Liga, un défi qui semble accessible à Zinedine Zidane. Comme le souligne AS, le technicien français a fait mieux que ses rivaux Luis Enrique et Diego Simeone depuis sa prise de fonction. Son Real a pris 7 points de plus que le Barça et 10 de plus que l'Atlético. Et justement, on parle du choc Barça-Atlético de demain en une de Mundo Deportivo, le journal catalan qui donne naissance à un nouveau trio de rêve. Après la BBC, Bale, Benzema, Cristiano de Madrid et la MSN, Messi, Suarez, Neymar de Barcelone, voici la GGT de l'Atlético Madrid. Antoine Griezmann, Kevin Gamero et Fernando Torres ont inscrit 8 des 11 buts des Colchoneros cette saison et représenteront forcément le danger numéro 1 pour les Blaugrana. Et on termine comme hier avec le dossier prioritaire du Barça pour le prochain mercato d'hiver. À la recherche d'un latéral droit pour remplacer Alex Vidal déjà sur le départ, le club catalan a coché le nom d'Hector Bellerin d'Arsenal. Mais pour rapatrier l'Espagnol formé à la Masia, il faudra payer le prix fort, 35 millions d'euros. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato et rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la presse sportive.